Bonjour tout le monde, c'est Aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous voyez par rapport à la grandeur du floutage, mais j'ai changé de casque. Oui, le Beyerdynamic DT670 Pro. Voilà, alors je l'ai acheté mardi. Voilà. Donc voilà, mais avant je montais pas trop ma tête. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire là maintenant, c'est parler des instrus tout simplement. Parce que l'instru, si vous ne savez pas, c'est une musique de fond, je pense que vous savez, hein, parce que c'est quand même la base de la musique. Voilà. Mais en fait, tout simplement, au tout début, donc, de Chrysler, moi je mettais pas d'instru fancy, bouton basse et je sais plus le nom. Attendez, je vais regarder parce que je me rappelle plus. C'était oui, je savais que c'était. Je sais, enfin, je savais. Je sais que c'est un feat avec MCB, mais je me rappelle plus quoi. Donc là, oui, il y a mon téléphone. Ici. Oui, j'ai plus mon masque sur. Maintenant, j'ai plus trop mon masque. Sauf pour les clips. Voilà. Mais oui, donc. Je sais plus le nom. Exact. Donc je vais aller voir. À ce propos, oui, je voulais vous dire, bon, ça n'a pas une grande importance, hein, mais j'ai plus accès à mon compte YouTube sur mon iPad. Donc voilà. Mais ça n'a pas très très grande importance. Ce genre de sketch. Voilà. Donc, playlist. Donc c'était Chrysler l'album. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de prise sur. Non, il n'y a pas de surprise. Voilà donc. Ah, bordel, qu'est-ce qui me sort ici? J'ai replein, je t'ai vu, j'ai vu, je te prends. Ça, c'était. Ça, c'était. Il y a longtemps. Et voilà l'album. Ah, putain, ça a payé. Donc voilà, un petit extrait. De Nelson. Ah. Ah, bah voilà, ça bug. Là. Putain, tu te mets là, ici. Donc, Chrysler l'album, je me rappelle plus le nom, à Fit MCB, c'était, ah oui, c'est juste, c'est l'ombre de la lumière, bref, là, et puis du coup, 5 albums, environ 5 albums plus tard, j'ai enfin compris que, voilà, donc oui, je touche mon casque, je suis trop content d'avoir rien, et voilà, en fait, moi, ce que je trouve... Enfin, l'instru, j'aime bien et tout, mais le gros problème que je trouve avec ça, c'est qu'on peut l'utiliser qu'une fois. Genre, l'instru de Rubik's Cube, à moins que j'ai des problèmes, je l'utiliserai plus jamais. Voilà, donc c'est le gros problème. Donc maintenant, ce que je fais, tout simplement, ce que je fais, c'est que... maintenant, des fois, je prends des morceaux d'instru. Par exemple, de là pour l'instant, je suis sur Reda Narcos. Et là, je vais prendre un petit bout d'instru. On n'entend pas Reda. Et là, je vais cut et tout. Et puis, je vais répéter jusqu'à ce que voilà. Et puis maintenant, je vous propose qu'à 2 likes en dessous de cette vidéo, je fasse, après VHS, un album complet. Donc, de 10-15 titres. À l'aide d'un seul beatmaker. Bon, vous savez que je sais déjà, c'est maintenant je sais plus le nom, Silver Kruger. Donc je travaille, enfin j'utilise beaucoup ces instruments. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que peut-être que ça soit ton pouce bleu. Je rappelle qu'à 2 likes. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est que en bas de la description, je mets le lien de Cartel, voilà. Donc vous pourrez tout écouter ce soir, donc à minuit ou demain matin. Donc oui, parce que ça sort le 8 mars. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Ça sort le 8 mars et donc il y a déjà 2-3 trucs qui sont déjà postés. Hein. Il y a 5 minutes, Tu le mérites avec Reda. Et je crois que c'est tout. Non, il reste. Stephen Curry, mais vous verrez dans cet album, il y a Vla les feats. Je vous laisse,
avec la fin de la vidéo. Et voilà, en fait, je vais vous laisser tout court. Et voilà, au revoir les gens.